Hello, hello, cher Scorpion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là et bienvenue si jamais. Ta présence est très importante, précieuse pour moi. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit, voilà, un petit like, un petit commentaire, à partager, hein, ou à continuer de le faire. Merci à toi. On va faire tes énergies générales pour toi, puissance signe solaire, ascendant lunaire. Mon cinquième élément, comme j'aime à t'appeler. On va faire plusieurs énergies, hein, énergie générale, pro, relationnelle. Il est possible que ce tirage te parle moins ou pas. C'est tout à fait normal, c'est un tirage collectif. Donc n'hésite surtout pas à regarder tes trois placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Tes messages sont peut-être là. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai changé un peu de plan ici, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses, mais voilà, j'ai un plan un peu plus... voilà, comme ça. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Et donc, n'hésite pas, hein, si tu souhaites une guidance privée, tu peux réserver directement sur mon site. Et tu as aussi les explications pour accéder aux extensions. Donc, n'hésite pas, c'est indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y aura une extension à cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Oh, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de perdre ton temps à blablater. Non, 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 non. Il y a des choses en fait qui sont très, enfin, très, beaucoup plus importantes. J'ai l'impression que tu ne veux pas perdre d'énergie. C'était un conseil que je te dis, ne perds pas d'énergie, hein, dans des débats inutiles, j'ai envie de dire, ou dans des, même, tu vois, c'est un truc tout bête. J'ai l'impression qu'il faut que tu prennes un petit peu de recul, il faut que tu te concentres sur autre chose, hein. Et j'ai l'impression que tu vas le faire, quoi qu'il en soit. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui t'intéresse fortement. Ça peut être une formation, un projet, voilà, peu importe ce qui t'intéresse, une personne. Mais tu prends du recul, t'as peut-être envie de communiquer aussi quelque chose. Mais tu te lances pas comme un malade, comme un dingue. Non, tu prends du recul, tu choisis tes mots. Voilà, c'est peut-être aussi un conseil que je te donne. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour toi, cher Scorpion, énergie générale. L'étoile, parfait, magnifique. Waouh, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le valet de pentacle, ok. Tu vois, l'étoile, c'est aussi les objectifs qu'on se fixe, hein. Je pense que tu vas atteindre des objectifs. Je pense que tu ne dois pas avoir peur, hein. La peur n'évite pas le danger, bien entendu, mais tu ne dois pas avoir peur parce que j'ai l'impression. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de détails, de la mort derrière. Je t'ai parlé d'être dans les détails de certaines choses. Le valet de pentacle, c'est celui qui est le plus sérieux de tous les valets. Je le dis souvent, c'est celui qui détient le pentacle. C'est celui qui sait que ses efforts doivent être fournis et peut-être que le résultat va être sur le long terme. C'est pas ça qui l'embête. C'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui a une explosion d'idées, hein, mais qui n'est pas dans le tout feu, tout flamme. Non, certes, c'est un valet, mais c'est un valet sincère, c'est un valet curieux, c'est un valet qui va aller chercher et regarder dans les détails. Hein, c'est pas un valet qui se précipite. Ça peut représenter un projet, un professionnel, un projet personnel, peu importe, ta vie quotidienne, hein, comment tu la régis, comment tu vois les choses. Ici, avec le valet de Pentacle, tu es invité à regarder. Hein, tu as vu comment il le contemple? On est dans la contemplation de certaines choses, avec de l'intérêt. Tu donnes de l'intérêt à des situations qui en valent la peine, tu cherches des informations, tu prends du recul, tu ne fonces pas, hein, d'un point de vue général, pour atteindre certains objectifs. L'étoile, c'est une carte de guérison, c'est une carte de réconciliation, c'est une carte d'espoir. On est en train de te dire que tous les espoirs sont permis, on est en train de te dire que tu as des objectifs que tu vas atteindre et que tu vas faire ce qu'il faut pour les atteindre au mieux. Au mieux. Alors, on parle aussi de communication avec l'étoile, la façon dont on communique, la façon dont on choisit ses mots. Hein. Il y a quelque chose ici au niveau des émotions, elle a un pied dans l'eau, hein, cette personne. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'expression émotionnelle, c'est possible. J'ai beaucoup de... C'est une carte aussi qui parle de vœux exaucés. Donc, quand on voit l'étoile, on voit quelque chose auquel on tient énormément. Quelque chose... Qui probablement, hein, est voulu et souhaité depuis un moment,
et qui va enfin, ou en tout cas qui est sur le bon chemin ici, pour se mettre en place. Il y a beaucoup d'attentes, hein, mais on peut parler même de miracles pour certains. C'est vraiment des choses, alors soit que tu attends depuis un moment, peut-être même que tu as mis de côté, soit ce sont des objectifs que tu as et tu vas les atteindre, quoi qu'il en soit. On parle d'accomplissement, hein, de vertu, de faire les choses bien comme il faut. On ne fait pas n'importe quoi. Tu auras, quoi qu'il en soit, une conscience d'être sur le bon chemin. C'est aussi une carte de guérison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, une guérison ici de traumatisme, une guérison après des événements douloureux, hein, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on est aussi dans une mission de vie. Tu sais ce que tu es venu faire. Tu sais ce que tu veux faire. Tu sais ce que tu veux mettre en place. Mais il y a aussi cette opportunité justement de vivre ce renouveau. C'est une carte de renouvellement. Donc, on est dans un renouvellement. On peut même être dans une guérison physique pour certains. Mais il y a vraiment ce qui a été perdu potentiellement, hein, c'est pas pour rien. Parce que avant l'étoile, c'est la tour. Et la tour, maison Dieu, carte arcane numéro 16, ce sont des choses qui potentiellement soit sont provoquées par toi, mais des fois elles ne sont pas provoquées par toi, elles viennent de l'extérieur. Un licenciement, une perte soudaine, peu importe. Et là, on est en train de dire que maintenant on est sur un bon chemin ou un chemin de guérison, et surtout que l'opportunité qui t'a été donnée, enfin, bon, peu importe, même quand elle est. Parce que la tour, elle est jamais agréable. Hein. Même si c'est toi qui la provoque, c'est jamais agréable. Mais en fait, tu vas être reconnaissant, reconnaissante de cette opportunité qui t'est maintenant donnée d'aller sur un meilleur chemin. Bon, on va voir un petit peu comment ça va se développer. Alors, hop, on va prendre ça et on va prendre ça. J'aime bien, déjà, ça commence bien, toi. Parler d'un sentiment de mieux-être, hein, d'un point de vue général, aussi au niveau physique, hein, c'est possible. Ça peut être une rencontre d'âme-sœur. Ça peut être une réconciliation, une grande réconciliation. Hein, peut-être amical, peut-être familial. Oups, alors là, tout est tombé. Alors, je vais les remettre bien droite. La patience, c'est la mère de toutes les vertus. Je sais pas, j'en prends une comme ça. Allez, on y va. Pour mes scorpions. Solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Il y a peut-être justement un chemin de guérison qui s'est fait grâce à une thérapie. Hein, pour certains, ou tout simplement on est en train de te dire que tu n'es jamais seul, hein, quelqu'un veille sur toi, et puis il y a surtout peut-être de nouvelles rencontres, c'est possible. Je vais te lire quand même quelques mots de si je trouve le petit papier. Il n'est plus là. Il est là. Excuse-moi. Hop. On y go. Solitude. Cette carte est venue à vous pour vous rappeler qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. La solitude dérive d'une incapacité à apprécier la personne la plus importante de votre vie, vous. Si la solitude vous accable, vous devez vous efforcer de créer une relation saine avec vous-même. Ce n'est qu'alors que vous attirerez d'autres personnes qui nourriront votre âme. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, une relation beaucoup plus saine envers soi-même, une guérison peut-être de certaines choses qui ne te font pas du bien, hein, ou de certaines mauvaises habitudes, une prise de conscience, d'accord. Et encore une fois, il y a l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Comme je te dis, hein, cette carte est la suite de la tour dans le tarot de Marseille. Il y a peut-être, hein, un événement plus ou moins lointain, peut-être même très proche, qui a fait que ça t'a chamboulé un petit peu ta vie sur le moment, mais ça reconstruit différemment. Si vous ne commencez pas par établir un rapport positif à vous-même, vous n'attirerez que des personnes négatives. N'assimilez pas la solitude à une faiblesse, c'est simplement votre âme qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rediriger vos pas pour que vous puissiez devenir radieux. Dans le silence de votre âme, vous prendrez conscience que vos enseignants, vos guides et votre famille spirituelle sont à vos côtés. Vous n'êtes jamais seul. Donc, très très belle énergie ici pour toi. Peut-être que tu as besoin tout simplement de solitude.
Voilà, aussi pour certains. Solitude sacrée. On y va. Au niveau pro, on va voir ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté. Un conseil. Alors, ce qu'il y a à travailler. J'ai mis mon fil de ce côté-là, ça me gêne. Le 5 de bâton. Ce qui est de ton côté. Le diable, très bien. T'as de l'ambition, mon cher. T'as la niaque, hein. Tu vas pas te laisser faire. Hein. T'as l'ambition. T'as peut-être même des rentrées d'argent ici. C'est possible. C'est une bonne carte au niveau professionnel quand même. D'accord? Tant qu'on respecte l'éthique. Voilà. C'est aussi une carte. Alors, je ne suis pas en train de le dire pour toi, c'est juste pour te le dire hein, d'un point de vue général par rapport au tarot. C'est une carte qui est bonne au niveau pro, tant qu'on n'écrase pas les autres pour réussir, par exemple. Tu vois? Mais c'est une bonne carte. C'est une carte d'ambition forte. C'est une carte de savoir justement ce qui est de ton côté, c'est de savoir relâcher ce qui n'est pas bon pour toi. Relâcher peut-être. Savoir se renouveler aussi, hein, savoir accepter de changer, accepter d'évoluer, accepter de changer de méthode de travail, de réorganiser différemment les choses, lâcher un peu prise là-dessus. Et moi, j'ai l'impression que c'est de ton côté. C'est aussi ne pas rester obstiné hein, voilà, par rapport à peut-être par rapport à des conflits, savoir lâcher un petit peu tout ça pour pouvoir avancer, ne pas se laisser polluer par l'environnement extérieur autour. Il y a tout ça. Donc, tu as quand même une forte ambition, j'ai l'impression, et que tu vas réussir à déplacer des montagnes pour certains, mais tu vas réussir à obtenir ce que tu souhaites. Parce que le diable, c'est quand même celui qui obtient ce qu'il veut. C'est le magnétique, c'est l'attirant. Tu vas attirer à toi hein, des personnes, tu vas attirer à toi l'argent pour certains, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a un magnétisme ici. Admettons, tu es commercial, c'est un exemple. Eh bien, tu vas, grâce à ton magnétisme, à ton talent, à ton côté, un côté naturel très commercial, très tchatcheur, très, mais pas dans le mauvais sens du terme, bien entendu, eh bien, en fait, tu vas obtenir de très bons résultats. Voilà, tu es quelqu'un qui accepte les challenges, les défis. Tu es quelqu'un qui ne te laisse pas abattre. Ça, c'était point de vue général. Alors, ce qu'il y a à travailler, j'ai le 5 de bâton, on développera bien entendu. Ce qu'il y a à travailler, il y a le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est justement peut-être les... alors, le 5 de bâton, ça peut être la jalousie, par exemple. Tu vois ça peut être aussi... bah, alors après, ce n'est pas des tirages négatifs, c'est peut-être pour certains, voilà. Ah bah tiens, lui, il a ce poste-là, moi, je n'ai pas ce poste, je n'ai pas eu, pourquoi. Voilà, il y a des petites choses comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit que tu vas réussir à te désenchaîner, hein. De pensées toxiques vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce qui t'entoure. Ça peut être aussi se désenchaîner hein, d'une situation qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, hein, ou de mettre fin à un conflit. Mais il y a un côté, malin ici, chez toi. Et donc, dans ce qu'il y a à travailler, j'ai l'impression que... il y a peut-être un conflit à dépasser, c'est possible. Il y a peut-être un sentiment aussi d'être tout le temps en compétition, en rivalité, c'est possible. Alors, concrètement, autour de toi, parce que tu es dans une équipe, voilà, peut-être menée au résultat, peut-être voilà, au niveau financier, peut-être voilà, peut-être pour ça. Sinon, c'est vraiment un environnement ici qui est peut-être conflictuel, qui est peut-être, que ce soit au niveau de la hiérarchie, que ce soit avec tes collègues, voilà. Ça peut être aussi être dans un environnement en tant qu'entrepreneur très concurrentiel, avoir l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues, qu'on te fait de la concurrence déloyale. Il peut y avoir des choses ici à dépasser à ce niveau-là. Ça ne va pas t'empêcher, quoi qu'il en soit, d'avancer, puisque j'ai quand même l'étoile. Il va peut-être, avec la carte de la solitude, il va peut-être falloir se désengager de certaines personnes. Alors, certains vont me dire, mais c'est pas possible. Bah, par exemple, tu es entrepreneur, tu as peut-être un associé qui n'est pas bon avec, qui n'est pas bon. Tu as peut-être un fournisseur, un contact, ou je ne sais pas quoi, un client, plutôt que de rentrer en conflit, de conflit ou autre, voilà, lâche l'affaire. Ou ne t'engage pas avec cette personne, ou ne t'engage plus avec cette personne.
Si tu cherches un emploi, tu as peut-être un domaine qui est aussi très concurrentiel. Et peut-être que justement, tu vas réussir à faire la différence parce que j'ai quand même le diable. Donc, poursuis tes efforts. Ne te sens pas accablé par cette notion de conflit autour de toi ou de rivalité. Il y a aussi peut-être le côté c'est perdu d'avance que tu dois peut-être ne pas avoir. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que je te dis, hein, tu vas quand même réussir à le dépasser puisque j'ai quand même le diable dans l'énergie qui est de ton côté. Donc, tu vas réussir à dépasser toutes ces mauvaises opinions que tu peux avoir de toi-même, hein, c'est possible. Tu vas réussir à dépasser tout ça pour pouvoir justement avancer. Excuse-moi. Donc, il va peut-être falloir pour certains, dans un autre registre, accepter de collaborer. Et c'est pas contradictoire ce que je dis, mais peut-être qu'il y a des personnes à qui ça ne parlait pas ce que je disais juste avant. Mais il y a peut-être justement un besoin de un peu plus collaborer. D'accord? Et quand je dis ça, bon, tu comprendras tout de suite, mais il y a peut-être besoin d'un peu plus, je dis pas aller dans le sens de, mais d'apporter un petit peu plus d'entrain et de dynamisme dans ta collaboration afin que les choses se réconcilient et avancent et que les objectifs soient atteints. Pour certains, ça va parler, c'est tout petit ce que je dis, ça va correspondre qu'à peut-être très peu de personnes, mais je le dis quand même, c'est important ici. D'accord? Parce que ça peut aussi venir de l'extérieur, mais ça peut venir de toi. Ok? Le conseil. Il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec le diable, on peut en parler. En tout cas, tu obtiendras ce que tu veux. Si c'est un travail, c'est un travail. Le conseil. L'hiérophante. Ok. J'ai pas besoin de te le dire, mais de toute façon, l'hiérophante, c'est l'engagement aussi. Donc, il peut y avoir un engagement qui arrive, mais il peut y avoir ce côté s'engager pleinement ici, montrer un petit peu l'exemple à quelque part, parce que le hiérophante, c'est le guide. Alors, c'est aussi le médiateur. Donc peut-être que certains auraient besoin de faire appel à un médiateur ou d'accepter de l'aide, c'est possible. Parce que c'est ça aussi, c'est l'enseignant. Ça peut être aussi ton expérience passée. Hein, le conseil, c'est aussi le hiérophante, si on regarde, c'est un sage, un vieux sage comme ça. C'est un peu comme l'ermite, hein, tu vois. Et puis, il est dans des valeurs, il est plutôt traditionnel, conservateur. Donc peut-être pour certains qu'il faut avoir une approche un peu différente de ce que tu fais actuellement, pas forcément conservatrice ou traditionnelle, mais tout dépend de ce que de là où tu es. Donc peut-être revenir à des choses qui sont peut-être plus la plus ancienne et qui ont fait leur preuve, parce que c'est l'expérience aussi. Il y a aussi le conseil, l'hiérophante, ce sont les leçons. Donc tirer des leçons de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on traverse, c'est hyper important pour pouvoir justement avancer, mais c'est surtout en tirer les leçons, mais les appliquer. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou faire appel vraiment à un médiateur, où il y a peut-être une intervention, hein, ou voilà, aller dans ce sens-là. Il peut y avoir aussi une formation, ou les bancs de l'école, ça peut être l'enseignement. Donc, peut-être qu'on a besoin d'une formation ici pour s'améliorer, d'où l'ambition et l'atteinte d'objectifs ici. Et peut-être accepter de ne pas vouloir tout faire tout seul, cher Scorpion. Hein, accepter justement de demander de l'aide, voilà, faire des formations, comme je te dis, hein, ça peut être de l'auto-formation, mais d'accepter de changer un petit peu sa façon de faire. Mais tu vas le faire. Waouh. Bon, on va mettre ça de côté. Je vais mettre maintenant, je vais les célibataires. Donc je vais définir déjà le célibataire Scorpion auquel je suis connectée. C'est important. Pour que tu vois si ça te parle, si c'est ton tirage. Et ensuite, quelques messages pour mes scorpions célibataires. Le scorpion célibataire. Cavalier de coupe. Valet de bâton. T'as envie de. T'as, toi, t'as... Attends, on va voir. Scorpion célibataire. Oh. Tu vois, c'est dingue parce que dans la coupe, elle est revenue. Bah oui, elle est revenue, c'est pas qu'elle est revenue forcément, les gars. Dans la coupe, j'aimerais dire, oh, toi, t'as envie de t'ouvrir. T'as envie de t'ouvrir. Mais il y avait ce côté valet de bâton avec le flirt. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que. Alors, déjà, toi, célibataire, il va falloir que tu arrives à mettre de côté quelqu'un du passé. C'est hyper important.
Deuxièmement, tout le monde n'est pas pourri. D'accord? Donc, je sais pas, j'ai l'impression que au fond, tu veux rencontrer quelqu'un, mais peut-être pour certains, on fuit un petit peu les rencontres, la personne, l'être humain en fait. On le fuit un peu, j'ai l'impression. Peut-être qu'on on a peur d'exposer ses sentiments sur son visage. Peut-être qu'on a peur d'être vulnérable. Peut-être, il y a peut-être un peu de ça chez toi. Donc, je suis connectée à ces scorpions-là. Et néanmoins, j'ai l'impression que tu as quand même une ouverture. Au fond, tu as envie d'aimer et d'être aimé. Mais étonnamment, j'ai l'impression que tu fuis un petit peu les relations. Ou alors, peut-être que tu te dis, mais comment ça se fait que je ne rencontre pas, pas quelqu'un, par exemple. Mais c'est peut-être dans ton attitude, c'est peut-être aussi dans ta façon de faire. Hein, si tu restes tout le temps, enfin, si tu fais vraiment métro, boulot, dodo, peut-être même pas métro, hein, peut-être voiture. Donc voilà, je ne sais pas. Donc à voir, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour mes scorpions célibataires. Mais tout le monde n'est pas une pomme pourrie. Tu vois ce que je veux dire? Célibataire. Ouais, l'ermite, finesse. L'empereur, bah dis donc. Le 8 de pentacle. T'es pas forcément facile d'accès. Hein. J'ai l'impression, toi, quoi qu'il en soit, bah alors tu. T'es pas. Alors, j'ai deux messages, mais t'es pas forcément facile d'accès. C'est le message que je ressens principalement. T'es peut-être aussi préoccupé par d'autres projets. Hein. Alors, j'ai peut-être aussi des scorpions qui font du sport, qui veulent s'occuper d'eux, qui travaillent beaucoup aussi, c'est possible. Et j'ai l'impression, hein, c'est ce que ça me donne, hein, tu vois, l'empereur, c'est pas le plus chaleureux non plus. Alors, l'ermite, c'est souvent quelqu'un de seul, tu vois, j'ai une énergie de solitude ici, et j'ai l'ermite. Peut-être que tu devrais accepter certaines invitations, générer hein, toi-même des invitations autour de toi. Amical, voilà, pour sortir, pour bouger. Moi, j'ai l'impression qu'il te manque un peu de ça. Et pour certains, on a vraiment un chemin spirituel hyper important, qui est peut-être en cours, qui n'est peut-être, voilà, qui est en cours depuis peu de temps, qui va se mettre en place. Et j'ai l'impression que tu n'es pas la même personne. Et donc, tu ne veux pas attirer les mêmes personnes. Et il faut ici que. C'est comme si tu me disais que je suis. C'est pas que tu me dis que t'es pas prêt. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que tu veux rencontrer quelqu'un, mais que tu fuis ou que t'es très occupé. C'est pas. Il n'y a pas y a autre chose. Qu'est-ce que j'ai là? De bâton. C'est bizarre ce que j'allais dire, mais pour certains, tu as envie de tomber réellement amoureux. Peut-être qu'on a eu des coups de cœur et qu'on se rend compte qu'au final, dans les relations du passé, on pensait être amoureux, mais on n'a pas été vraiment amoureux au final. Ou on se pose cette question-là. Il y a beaucoup de choses ici, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de solitude que tu as encore un peu pour le moment. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les célibataires scorpions seront toujours célibataires dans 10 ans. Je suis en train de te parler de maintenant, des énergies qui te traversent actuellement, et c'est temporaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a du progrès ici. Moi j'ai l'impression que. Avec une dernière carte, allez, une dernière. L'impératrice. Magnifique. J'ai l'empereur et l'impératrice. Hein. C'est pas impossible que tu rencontres quelqu'un, mais alors dans ce cas-là, soit tu rencontres. Alors, ce que j'ai dit avant est toujours valable, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un. Hein. Mais tu prends ton temps. Hein. Tu t'ouvres pas tout de suite, peut-être. Ouais, c'est possible. On va développer dans l'extension, mais intéressant ce tirage célibataire. Mais j'ai l'empereur et l'impératrice ici. Donc, c'est pas impossible que tu rencontres quelqu'un. Ok. À voir. Mais par contre, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose de très mature chez toi. Tu sais exactement ce que tu veux. Il y a peut-être un peu de rigidité de ton côté, mais ça se travaille. Parce que j'ai l'impression, parce que j'ai quand même le 8 de pentacle. Bon, allez, on y va. Pour toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête, on va voir un petit peu ce qui sort. Je vais mettre. Ton énergie, son énergie, le développer. Au début, je suis dans l'énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes scorpions? J'en ai beaucoup. Voilà. Allez, pour mes scorpions. Alors, ton énergie de ce côté. Roi d'épée. Son énergie. Cavalier d'épée, ok. Bon, vous êtes dans le même élément. Hein. ok, bon, on va voir ça. Juste une carte en plus parce que ça. Non, on va mettre de l'énergie future. Qu'est-ce qu'on a? Là, il est à l'envers cette fois-ci. 8 de pentacle à l'envers.
7 de bâton. Bon, ok. 6 dés. Okay. Bon. Ah. Y a peut-être quelqu'un d'un peu pushy en face de toi. Parce que les énergies tombent, bien entendu, sur toi libre d'inverser. J'ai des énergies d'air ici. Hein. Alors, l'air, c'est la pensée. On est beaucoup dans les pensées, de part et d'autre. Toi, tu m'as l'air assez distant, distante. Tu prends des décisions, ou tu es en phase, en tout cas, tu es dans l'énergie de quelqu'un qui prend des décisions, qui prend du recul, qui a quand même une détermination ici. Mais je sens de la froideur. Il y a de la froideur, ce n'est pas le plus chaleureux. Mais néanmoins, il y a une capacité de négociation chez toi, mais elle est limitée. Voilà. En face, tu as peut-être quelqu'un d'un peu pushy, c'est-à-dire qui fonce un peu trop sans réfléchir, qui parle peut-être un peu trop. Qui agit et qui pense après. Néanmoins, j'ai quelqu'un qui est dans l'action ou qui a la volonté d'agir vis-à-vis de toi. C'est aussi et surtout peut-être, si elle est pas, elle a quand même cet avis bien tranché sur la chose. Elle a la conviction d'être dans un cheminement qui est juste. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a tort ou qu'elle a raison. Je te dis ce que cette carte m'inspire là. Elle est persuadée d'être dans son bon droit. Toi, j'ai l'impression que tu as une fatigue parce que tu es déjà en roi d'épée et puis tu me dis bah, tu es au-dessus en termes de carte de cour. Mais il y a une fermeté de ton côté. Non, c'est non. Alors, il se peut que tu te sois un petit peu éloigné de cette personne, ou tout simplement que tu sois froid, ou insensible, ou tu peux paraître un peu insensible, ou voilà, c'est peut-être nécessaire, hein, mais tu peux paraître insensible par rapport à cette personne, ou la volonté de paraître insensible. Quelque chose de non négociable éventuellement. C'est dingue parce que je t'ai dit que tu avais une capacité à négocier, mais tu sais ce qui est juste pour toi. Donc, c'est pas n'importe comment, cette négociation. Ou cette souplesse qui est voulue, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, dans le développé, là, en tout cas, c'est temporaire. On est sur des énergies temporaires, on n'est pas sur l'énergie définitive de la relation. J'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de ne pas perdre de temps. J'ai l'impression qu'ici, on peut tourner un petit peu en rond malgré le ressenti, les sentiments et la tâche. Il y a peut-être des enfants ici dans le lien qui sont importants. Il y a peut-être toujours au fond cette volonté de soutenir l'autre, c'est possible. Et quoi qu'il en soit, avec un 8 de pentacle à l'envers, ben, c'est pas le 8 de pentacle comme ça, hein. À l'envers, c'est avoir l'impression de produire des efforts. Il y a une improductivité ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à évoluer, il y a peut-être quelque chose à modifier qui est important, mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, puisque j'ai quand même le 7 de bâton. C'est une énergie assez défensive, c'est une énergie qui marque aussi une forte affirmation de soi ou une volonté de s'affirmer. Hein, j'ai l'impression que ça vient de ton côté, mais ça peut venir des deux, ou de son côté. Malgré ça, comme je t'ai dit, il y a quand même un lien important. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver des solutions. J'ai l'impression que tu les as, les solutions. Mais qu'on n'est peut-être pas encore d'accord sur la forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le 7 de bâton, c'est aussi repousser quelque chose. C'est un sentiment de vouloir. Derrière tout ça, il y a un sentiment de vouloir se protéger. Donc, on écoute son intuition, j'ai l'impression, parce que j'ai la grande prêtresse. Mais on n'a pas envie de perdre de temps et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait perdre du temps dans ce lien. Alors, bien entendu, quelle que soit ta situation, hein, ce n'est pas forcément une catastrophe, d'accord? Pas du tout, même. Je dis juste qu'il y a peut-être quelque chose qui est improductif et qui ne mène pas à des bons résultats. C'est peut-être au niveau de la façon de communiquer, hein, c'est possible. Ouais. Il y a besoin d'être un peu plus. Tu vois, c'est dingue que je te dis ça, et puis j'ai le page de bâton. Le page de bâton, lui, il est fun, il est drôle. Il fait passer des choses un peu difficiles par l'humour, par exemple. Tu vois? Donc je ne sais pas à qui ça peut parler. Mais on va développer, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression qu'il y a une attitude un peu pas très émotionnelle. Quand tu regardes bien, bon, si, au fond, j'ai quand même. Ça, c'est une carte qui me parle de légèreté. Donc, je pense qu'on peut trouver une solution par un peu plus de souplesse et de légèreté. Un petit côté flirt aussi avec le page de bâton. Hein, revenir à des petites énergies beaucoup plus juvéniles, j'ai envie de dire, beaucoup plus adolescentes. Il y a quelque chose qui est nécessaire afin de réchauffer un peu l'atmosphère. Bon, on va voir un petit peu.
le toi si tu es avec un, et puis on va aller sur l'extension. Allez, si tu es avec un, cher scorpion. 8 de coupe à l'envers. C'est dingue parce que ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers toi, hein, qui revient à la charge vers toi. Mais toi, c'est pas... Tu vois, je vais revenir un petit peu dessus, mais je vais en parler dans l'extension aussi. Hein. Mais il est possible que ce soit quelqu'un qui vienne vers toi. Regarde quand tu regardes bien, regarde la symbolique des images. Il fonce vers celui-là et lui, il me regarde moi. Donc peut-être qu'il il attend... J'ai pas l'impression qu'il attend un aval. J'ai pas l'impression qu'il attende... que tu, hein, ici, attends d'une validation parce que tu es déjà un roi d'épée. Moi, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne vers toi, peut-être un petit peu que cette personne, elle devrait faire attention à sa façon de communiquer, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas, elle peut pas revenir à n'importe quel prix. Et quand je dis revenir, c'est pas forcément que c'est une personne avec qui tu es séparé. C'est peut-être un désaccord entre vous et cette personne vient vers toi pour communiquer, mais peut-être avec ses anciens schémas. Et ça, ça passe plus de ton côté. Ça peut être ça. C'est comment on présente le truc, quoi. J'étais en train de mélanger. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo à la fin parce que j'avais oublié un des signes. Ah. Allez. Bon, allez. Oups, on y va. Si t'es avec un bélier. Ouais. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu fasses attention à quelqu'un qui cherche peut-être uniquement ton attention ou par rapport, qui est un petit peu moi-je, ou alors renseigne-toi sur les intentions réelles d'une personne. Hein, que ce soit une personne que tu connaisses depuis longtemps ou pas, mais renseigne-toi quand même, ou en tout cas, sois vigilant, vigilante. Avec un taureau, ici, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de stabilité. Il peut y avoir une forme d'indécision quand tu as un engagement ou quand tu as un chemin à prendre. Avec un gémeau, ici, j'ai j'ai quand même un couple ici, deux figures avec peut-être deux énergies totalement différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compatibles. Mais j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, qu'on a et le côté émotionnel et le côté stable. D'accord. Une dernière carte là-dessus quand même, avec un gémeau. Ouais. Ça peut être une nouvelle rencontre, rencontre prometteuse quand même. Hein. Bélier, taureau, gémeau, cancer. Cancer. Ici, il faut faire des choix. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose d'assez caché ou de quelque chose que tu ne vois pas ou quelque chose que tu... Il y a peut-être voilà, quelque chose qu'on ne... Il y a un flou dans une situation. On a peut-être du mal à faire des choix. On est en dualité. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Lion. Il y a une guérison. Quoi qu'il en soit, il y aura une guérison. Il y aura un renouvellement, un espoir renouvelé, quoi qu'il en soit. Et une guérison. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Ici, il y a quelqu'un du signe de la vierge. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord hein, sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose d'assez répétitif chez cette personne. À voir comment ça évolue. Il y a quelqu'un du signe de la balance. J'ai l'impression que tu vas mettre le doigt ou en tout cas pointer quelque chose. Quelque chose soit ça va te révéler, soit tu vas découvrir quelque chose, mais tu vas découvrir quelque chose, ça va t'amener une grande clarté quant à cette connexion. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion. Ici, il y a une... Ouais, mais dis donc, avec un scorpion, ici, il peut y avoir une... pas mal de joie, pas mal de bonheur ici avec une personne, notamment si tu viens de la rencontrer. Sagittaire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a une déception avec une personne ou aux agissements d'une personne ou au non-agissement d'une personne. Balance, scorpion, sagittaire, capricorne. Avec un capricorne, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à avancer. On a l'impression que quelqu'un met des bâtons dans les roues ou n'avance pas ou ne veut pas avancer ou fait ce qu'il faut, ne fait pas ce qu'il faut pour avancer. Verseau. On est en train de te dire qu'il y aura un équilibre dans la situation, quoi qu'il en soit. Et enfin, poisson. Ok, j'ai l'impression que tu patientes un petit peu ou tu es dans l'attente quand même de quelque chose. Voilà. Mais par contre, ne procrastine pas non plus quelque chose qui peut être décidé maintenant. Hein, surtout si tu as un sentiment de confusion. C'est comme si tu dis je verrai, je vais attendre, je verrai, je ne sais pas. Agis quand même. Alors, bélier, taureau,
Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà tes messages, mon cher Scorpion. N'hésite surtout pas à liker, partager, à t'abonner. À tout de suite sur l'extension.